Salut à tous et merci de regarder cette vidéo. Voilà, donc aujourd'hui je voulais vous montrer en temps réel, ici comme vous pouvez voir je suis dans un train, et je voulais vous montrer une application qui est vraiment géniale et qui est super accessible avec VoiceOver. Et cette application s'appelle Via Octanav. C'est vraiment génial. Ici, si je l'ouvre, un double tap. Chargement. Lisez et acceptez les conditions express pour commencer à utiliser l'application. Destination, réglage, bouton. Alors, cette application. Vous avez atteint la vitesse maximale. Annonce correspond désactivée. Cette application, je vous la montre de très près sur l'écran. On a trois boutons. Un bouton avec une étoile. Un bouton avec une loupe. Vous avez atteint la vitesse maximale. Et annonce un bouton bleu. Le bouton bleu et le bouton position. Le bouton étoile. Destination préférée. Bouton. Destination préférée. Bouton. C'est destination préférée. À côté. Nouvelle adresse. Bouton. Entrée l'adresse. Vous avez atteint la vitesse maximale. Annonce croisement désactivée. Et dessous. Position. Bouton. C'est le bouton position. En fait, le bouton bleu et le bouton position. Je me mets sur ce bouton bleu. Je tapote deux fois. Position, en tête. Je suis en train de chercher votre adresse. Patientez s'il vous plaît, point de suspension. Vous êtes sur Chanarande, Essonne. Précision 20 mètres, en tête. Voilà, donc on est sur une précision de 20 mètres. Ça marche super bien. Ici, on peut reprendre. Fermez, bouton. Vous êtes sur Chanarande, Essonne. Précision 20 mètres, en tête. Fermez, vous êtes sur Chanarande, Essonne. Précision 20 mètres, en tête. Ça, c'est vraiment super génial. En bas, il y a donc deux boutons. Un bouton qui action, bouton. S'appelle, qui est nommé action. Et juste à sa droite, on a un bouton. Voir les lieux intéressants autour de vous. Bouton. Voir les lieux intéressants autour de vous. Bouton. Voir les lieux intéressants autour de vous. On va par exemple entrer dans ce bouton. Patientez s'il vous plaît. Patientez s'il vous plaît. Point de suspension. Présentement. Bouton. Présentement. Donc on avait éventuellement un croisement, mais étant donné qu'on est dans un train, ça doit pas vraiment nous l'indiquer. On va revenir en arrière. Voilà, donc cette application est vraiment géniale. Allez la tester, mettez-moi en commentaire si vous l'avez déjà testée ou si vous l'avez sur votre iPhone. Ça m'intéresse vraiment de savoir votre retour au niveau de Via Octanav. Donc un GPS accessible aux personnes malvoyantes et un GPS entièrement et une application entièrement gratuite qui fonctionne super bien. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne comme d'habitude, à partager, tester via et dites-moi ce que vous en pensez. À bientôt donc pour la prochaine vidéo. Salut à tous.